c'est Robin. Je me dis que tout était bien rangé. Je sais pas encore du tout quelle couleur je vais lui faire. C'est pour ça que je teste là, mais c'est bien dégueulasse. De toute façon, il sera fait sur l'ordi après, du coup, les couleurs. J'ai deux chats chez mes parents. Je passe beaucoup de temps à les observer, j'aime trop. Toujours des expressions un peu marrantes. C'est super drôle, quoi. Au final, j'ai l'impression de voir des êtres humains. Ils font la même chose que nous, ils ont les mêmes types de réactions. L'étonnement, le petit caprice. Se faire savoir, tout ça, enfin, je trouve ça. Ils sont incroyables. Là, il est blasé. Je crois que je me réfère beaucoup trop à mon chat, qui est un peu bête en fait, et du coup, il a toujours un air qui sourit, alors que. Enfin, juste, il est con, quoi. J'avais vraiment envie de montrer une relation. Chats humains, comme elles peuvent être des fois très profondes et très intenses. Je me suis vachement référencée à ma grand-mère qui avait des chats, tout ça. Toutes les mamies qui vivent dans les petites fermes, tout est de chats. Puis des fois, enfin, elles ont un peu un air désinvolte avec, genre, bon, ils sont là, je m'en fiche, mais en fin de compte, enfin, elles se sentiraient seules sans ces chats. Il fallait que je fasse un film avec des chats, au moins une fois dans ma vie. Je vois pour la première partie ce que je peux faire. Il y a deux thèmes qui sont lignes. Il y en a un qui fait tit tit tom tat tat tom ya da 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 tit tit tom tat tat tom. Et en même temps, il y en a un autre au corps, mais ça passe de l'un à l'autre. Il fait ta i da da. Après, je sais plus. Enfin, en gros, ça module pas mal. Et du coup, les deux sont pleins, parce qu'il y en a un qui est très lent, très étalé, et l'autre qui est assez rebondissant. On a pensé à quelque chose de. En fait, il fallait pas que ça soit triste, et il fallait pas que ça soit nostalgique, il fallait pas que ça soit trop joyeux non plus. Du coup, il avait une musique qui avait fait il y a 2 ans et que j'ai essayé sur mon film, et ça marche super bien. Et c'est quelque chose un peu pop 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 comme ça, avec un petit air. Il y a des pistes de cordes pour l'aspect sautillant. Ouais, bravo, hein, nickel. Ok. On y va? Alors, ouais. Une avant. C'est bien, hein.
Pardon, ouais. Voilà, à l'arrivée du do, à l'arrivée du do, tout le monde doit bien avoir lâché, une fois que la clarinette a fait son do. Et bon, il y avait juste la fin, sinon tout le reste était parfait. Hein. Il joue super bien, c'est parfait. C'est merveilleux. Plomber l'ambiance ou est-ce qu'il faut au contraire faire un truc plus mystique? Mais chacun a son, sa manière de voir le, de voir ce qu'il revoit au ciel ou pas. Il y a plein de choses depuis toujours. Soit on traite la mort de façon très très triste, un peu post-romantique, un peu on sort les violons, comme on dit. Et là, là c'est vas-y que je te tire une larme. Ça peut être ça si le film ne le dit pas, il faut que la musique le dise, mais c'est bien que les deux disent le contraire, ou alors ça peut être quelque chose de plus céleste ou plus léger. Mais ce genre de truc, ça n'irait pas. En fait, il faut. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut encore. Ça va venir au fil des images, peut-être, ça aidera. Et puis, elle n'est pas encore sûre de savoir comment elle veut faire sa fin. Je fais toujours plein de dessins en trop par rapport à d'autres que j'aurais fait, voir lesquels vont mieux ensemble. Un peu comme un puzzle, du coup, je pense ça, j'essaye avec ça, ça, ça. Du coup, des fois, c'est un peu rageant quand tu fais un dessin qui te plaît. Et... Après, du coup, tu te dis, bon, bah non, finalement, je peux pas utiliser celui-là. Il y a un côté, des fois, un peu. Mais faut pas s'attacher, du coup. Faut pas s'attacher à ces dessins. Bah, par exemple, j'aime bien celui-là, tu vois, le cadrage. Ça crée vraiment. Il y a une forme. Puis même, je peux presque faire que les deux formes s'imbriquent. Enfin, il y a un truc. Qui marche très bien, et par exemple ce cadrage là marche beaucoup moins bien. Du coup, après ça, faut que ça soit un plan un peu dans ce genre là, ça sera pas ce cadrage là. Ou alors j'y vais en mode je m'en fous et je fais un cadrage comme ça, et les gens font le raccord tout seul dans leur tête. Même quand nous dormons, nous veillons l'un sur l'autre. Et cet amour plus lourd que le fruit mûr d'un lac. Sans rire et sans pleurer. Dure depuis toujours. Un jour après un jour. Une nuit après nous. Enfin, les fonds de mieux en mieux, j'ai envie d'en faire une autre du coup. Faire une femme qui fait son autoportrait. Parce que le poème, c'est Paul Éluard qui parle des femmes. Et comme j'avais pas envie de faire un mec qui parle des femmes, je vais faire une femme qui parle d'elle-même. Le poème, c'est comme un autoportrait écrit, et moi je le fais en image. Il faut que c'est l'air d'une recherche, un peu, le film. D'une recherche de peinture, donc c'est qu'à la fin que ça finit par se... devenir plus cohérent. Et au début, c'est surtout même des sortes de tâches, un peu des choses qu'on peut avoir du mal à identifier. Ce sera pareil pour la musique, je pense. Tu te lèves, l'eau se déplie, Paul Éluard.
Et le musicien, il va sûrement expérimenter des sons et tout ça. Et avoir un truc qui devienne de plus en plus cohérent au fur et à mesure du film. Tu te couches, l'eau s'épanouit. Il faut vraiment pas une musique trop bavarde là-dessus. Vraiment pas, parce que c'est... ça a l'air plutôt calme. Après, bon, sur une animatique, c'est toujours difficile de juger, parce qu'il y a forcément... c'est forcément moins rythmé que le résultat définitif, mais c'est quand même quelque chose d'assez lent dans l'ensemble. Donc faut vraiment pas quelque chose d'encombrant. Le danger, c'est tout simplement que ça serve à rien, en fait. Et que ça concentre trop l'attention sur la musique plus que sur l'image. C'est surtout ça le piège, en fait. C'est vraiment, il faut vraiment pas une musique qui se la raconte et qui prend de la place. Il y a des moments où faut vraiment qu'elle soit là, mais qu'on l'oublie à la limite, quoi. Qu'on l'oublie, mais que si, évidemment, si elle était pas là, on sentirait la différence, mais voilà, des fois, faut vraiment pas qu'elle prenne le pas. En fait, le poème démarre avec sur mes cahiers d'écolier, sur mes pupitres et les arbres. Voilà, j'écris ton nom. Donc j'avais imaginé un petit garçon qui écrit sur ses cahiers le mot liberté. Donc moi j'avais pensé à un petit garçon qui dessine un personnage sur ses cahiers puis qui s'en va en courant. Donc là il s'envole avec ses cahiers. Ouais, c'était les cahiers du début. On a vu voler au départ. Ouais, voilà. Donc ça c'est des cahiers oiseaux. Ouais. C'est des cahiers oiseaux, ok. Donc ça serait un personnage qu'on suivrait tout au long du poème. Et donc le personnage qu'il dessine, c'est une sorte de géant comme ça, sans visage, qui représente tout ce qui est métaphorique dans le poème, toutes les grandes idées. Sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Dans le poème, il définit pas vraiment la liberté, il parle de tous les lieux qu'il aimerait voir libres, ou enfin, tous les espaces qu'il voudrait conquérir avec la liberté. Je suis parti sur un truc assez grouillant, avec plein de rythmes, et donc il y aurait plein de personnages... animé de manière un peu tremblotante. Personnage comme ça. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. On suivrait 3-4 trames narratives différentes qui s'entremêlent. Est-ce que tu veux, sur la forme globale, ça devienne de plus en plus déjanté? Est-ce que toi, dans... Je suis parti sur l'idée d'un rythme assez effréné, un truc qui roule quoi, pendant tout le temps. Est-ce que la musique doit être vraiment raccord ou est-ce qu'elle doit avoir sa vie de son côté? Non, elle a sa vie, elle Mais elle a quand même une découpe, elle aussi. Elle pose en fait ce rythme qui coule et qui mais court comme mais, ça, qui mais tourne. Est-ce que sa forme doit correspondre à celle de tes plans? Non, il faut pas que ce soit. J'imagine pas un truc calé au millimètre. Ok, ouais, ça c'est bien de le préciser. J'aime pas bosser, enfin en tout cas pas tout de suite, à l'image directement. Mmh. Parce que sinon tu es tributaire de l'image, tu fais Enfin, t'as le nez dans le guidon. Ouais. Ah, c'est pas le cas et c'est pour ça que c'est bien intéressant. Mmh. Et après, il y a les calages, mais si on commence par les calages, on fait un truc, je sais pas, froid. En 2 minutes 40, il doit dire un texte qui est très long.
Et donc, il veut créer beaucoup de mouvements et il prend le parti de, d'aller très vite, de prendre un rythme effréné et par la lecture du poème et par la musique. Plutôt que la musique freine le poème, il prend ce parti délibérément d'aller très vite et de créer ce, ce sentiment-là. Donc, il faut que la musique donne presque l'impression que le poème est lu encore plus vite. C'est une espèce de chose qui s'envenime. C'est très, c'est presque baroque. Ce thème-là peut passer un peu à tous les instruments de percus, donc type marimba, vibraphone, etc. Et après, il y a d'autres thèmes comme celui-là qui peuvent passer à d'autres instruments. Et tout le monde va se passer la parole dans l'orchestre. C'est ça qui sera amusant, même pour les musiciens. Enfin, si c'est pas mal écrit, ça les amusera. On va peut-être en enregistrer deux, un à l'octave en dessous comme celui d'avant, et celui-là à l'octave d'accord. en dessous. Comme bien. Si tu jouais tout en octave ou si vous étiez deux. Monstrueux. Et refaisons ça, ça peut être plus requin, plus nerveux. D'accord, ok. Plus Bartok. Ouais, c'est toi. Oui, c'est toi. Ok. Merde. Bon ben voilà, tant pis pour toi. Côté un peu monstrueux, mais tu vois, il fait pas forcément peur. Enfin, moi, je trouve qu'il a pas l'air gentil. Il a vraiment un côté tu ne peux pas m'attendre, en quelque sorte. Même dans son visage, tu peux pas vraiment voir vraiment ce qu'il pense. Le poème, à un moment, il dit « Le chat est bien trop grosse bête, sa queue rejoint sa tête, il tourne dans ce cercle et se répond à la caresse. » On parle même pas de relation à l'homme, là, on parle vraiment juste comme d'un truc énorme qui tourne. Il y a un côté un peu... monstrueux, quoi. Vraiment comme une sorte de créature. C'est un gros chat, mais des fois, c'est pas un gros chat. Des fois. Justement, il y a un jeu constant sur les tailles et les perceptions dans le film. Je trouvais marrant d'exploiter ce côté-là, en fait. Même vraiment visuellement. Et que l'homme soit vraiment tout petit. Parce qu'après, le... dans le territoire qui est la maison, finalement, après, on vit, quand on a un chat, on dit « mon chat est chez moi », mais on vit plus chez le chat, quoi. Là, je cherche, j'essaie vraiment de chercher des sons. Alors là, ouais, j'étais tombé dans le... C'est, là, pour le coup, je me suis perdu. Hein, mais c'est pas pour faire un chat, mais j'aimais bien la couleur. C'est un instrument qui s'appelle le glass harmonica. Qui a ce son un peu... Je sais pas si tu l'entends... son un peu cristallin, comme ça, un son qui tourne tout le temps. Et je trouvais ça... Je trouvais ça, ça pouvait être une couleur de départ. Après, le film de Johanna est hyper coloré et du coup, c'est un gros défi. Du coup, comment la couleur musicale peut interagir avec ça. Ça, ça va être un bon défi, je pense, de trouver la bonne couleur. Donc là, voilà, c'est plus vraiment chercher des couleurs. Finalement, le chat a disparu, il est parti. Il va revenir, mais là, le chat a disparu pour l'instant.
Le film, il parle du chat qui devient, qui prend tout l'espace de l'homme et qui devient tout son... Enfin, ça devient son... Il prend tout l'espace et ça va dire que visuellement, en fait, toutes les couleurs et les rayures du chat vont... On va tout retrouver tout ça dans le décor et dans ce qui entoure complètement l'homme et ça va être de plus en plus probant. Donc je trouvais ça intéressant, en plus, ce côté sérigraphique pour jouer avec ça. Avec le fait que les couleurs et les lignes du chat sont aussi les couleurs et les lignes qu'on a dans, dans l'espace, qui est l'univers en fait du personnage. Dans ces recherches de couleurs faites de façon très rapide, ça permettait de voir donc la couleur du personnage. Donc on retrouve toujours le même bleu en fait entre le bleu du mec, le bleu qu'il y a dans les yeux du chat et le orange qu'il y a dans les cheveux, qui se retrouve dans le décor, donc le fauteuil ici, le chat. Et ça me permettait de voir en fait comment avec quatre couleurs pouvoir rendre tout ça lisible et harmonieux. Et comment c'est la superposition en fait des couleurs qui va créer l'illusion qu'il y en a plusieurs alors qu'en fait il n'y en a que quatre. Mais la nuit, l'homme voit ses yeux, dont la pâleur est le seul don. Ils sont trop gros pour qu'il les cache, et trop lourds pour le vent perdu du rêve.